Ok, t'as besoin de moi comme coiffeuse? Non, comme associé. Ça pourrait devenir un salon de coiffure. T'es un malade, toi, hein? Moi, m'en veux pas, mais ça va pas le faire. On a eu une histoire, c'est il y a 10 ans, c'est mal fini. Enfin, tu vois, c'est pas neutre. C'est pourquoi? Parce que je savais que tu partais, c'est tout, c'est pour ça que... Ouais, c'est ça, ouais. Mais arrête avec tes bébés, oui, c'est ça. Tu vois, mais... Non, mais tu t'énerves direct, donc c'est pas neutre. Il y a un pote qui va ouvrir son salon. Se mettre à son compte aujourd'hui, c'est du suicide. Si on oublie cette histoire de thune, là, ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu veux vraiment le faire, ce salon? Qu'est-ce que tu fous? Bah, c'est ma grand-mère. Je t'ai mis du Doliprane sur le buffet, tu le trouves pas? Il faudra du Xanax aussi, parce que si t'as rien dit à ton mec, ça va être très chaud. Pour être très honnête, j'y aurais jamais pensé. Surtout pas avec toi. En fait, ça me branche. Un salon de coiffure? Et t'as dit que vous allez ouvrir un salon et que tout le monde va courir parce que t'es jolie, qu'il a une belle gueule, c'est ça? Non, il a pas une belle gueule en plus. Tu flippes? Bon, d'être pour 20 ans, je quitte mon taf. Tout ça pour bosser avec un interdit bancaire, si ça, c'est pas un putain de voyage, tu vois? T'es pas ensemble au moins? Sinon, c'est la merde, hein. N'importe quoi. Je crois qu'on fait une grosse connerie, là. Ouais. Je suis contente qu'on pense pareil, quoi. Une petite touche glacée, peut-être. Je vais faire ce qu'il faut pour finaliser votre dossier, mais c'est pas gagné, hein. C'est le bordel, ouais. Attends, tu me balances ça comme ça? Ok, ça me va, vas-y, on arrête. Bah non, normalement, tu réponds pas ça. Ça fait un an que je suis en sur-régime. Toi, ça fait à peine un mois et t'es déjà aux toilettes, tu pleures. Hein. Mais je pleure pas. Ah bah c'est bon, alors.